la France est 80. Voilà. Alors il fallait que j'aille et que je leur dise, Madame Lapix, m'a dit de vous dire que c'est pas bien les enfants. Vous savez pas ce que vous faites. Ah, oui, bah, écoutez, madame, c'est pas comme ça, parce que faites votre boulot, c'est rien. Moi, mon travail d'homme politique, de président, c'est d'écouter, de parler avec les gens. Une fois que ça vient pas, m'a dit, mais vous, monsieur Mélenchon, vous n'êtes pas fini, c'est bien lui. J'ai expliqué pourquoi, mais écoutez-moi, je suis convaincu que vous diminuez l'homme. C'est comme ça qu'on fait la politique. Et on n'est pas jugé, Jean-Luc Mélenchon, une question sur la France. Le pouvoir de la liberté, le pouvoir de la liberté qui rassemble des mouvements opposés au pass vaccinal et pour le pouvoir d'achat, s'est élancé de plusieurs villes. Il s'inspire du mouvement des routiers anti-vax au Canada qui a bloqué le pouvoir de la liberté. Vous les soutenez? Eh bien, écoutez, alors, c'est une question qui revient, c'est la question des gilets jaunes. Est-ce que les mouvements doivent montrer pas de blanche et belle carte avant d'être légitimes ou pas? Moi, j'entends deux choses. D'abord, comment t'as réputé ça avec les gens? Avant d'avoir décidé qu'ils sont anti-vax, fascistes, antisémites et tout ce qu'on nous a fait pour les gilets jaunes. Voilà des gens qui se mettent en mouvement avant de pouvoir la carte. Je ne vais pas être contre ça. Je défends aussi l'augmentation. Et on va en parler dans un instant. Bon. Ne croyez pas qu'ils se mettent en voiture à 2 euros le litre par plaisir. Bon. Deuxièmement, ils disent qu'ils sont contre le pass vaccinal. Moi aussi, je ne vais pas aller leur dire que non, ils ont tort. Donc vous pourriez manifester avec eux. Ah ben, je pourrais les soutenir, oui, bien sûr. Je vous recommande de faire ça. Parce que je me souviens des mouvements que ça, je sais comment ça s'est passé. Et déjà, les gilets jaunes, bon, ils avaient droit à tout, hein. Ils étaient antisémites, fascistes, tout ça. On n'a jamais dit ça, évidemment. Vous peignez, mais c'est une réalité. Les gens vont très mal.